Propos expansionnistes de Paul Kagame, président rwandais, à l'obiété, ils ne font pas reculer jusqu'à ce que Bakozwa Mabele ou Ezali Nakati, la République démocratique du Congo, alors que nous savons que depuis 1984, Rwanda n'avait pas existé, c'est la RDC qui existait bel et bien, mais Mabele ou ya Rwanda, Ezali na RDC, Ezali Wapi, Tukoué, Bayangou Nakati, Emissue Alelo, Toko Beta Masolo, ya. Il y a Katia briefing, le ministre, le VPM de l'économie, Vital Kamerhe, a mis qu'il mettre au parfait et au clair la situation économique et surtout la situation ya maïs na Okatanga, délégation à gouvernement qui n'a qu'une solution. Et puis nous avons trouvé dans Katia émission à l'élo. Et pourquoi pas, donc parler aussi dans Katia émission, où il y a toujours dans l'élection fichée, audit et fichée électorale, Bazali accrédité, banani Bazali crédibilisé à cause de l'ango, tokoyeba on a quatre émissions et surtout que les M23 renforcent ses positions. Alors que fait le FARDC ou la communauté ou bien la force régionale EAC et puis le reste toujours na quatre émissions. Le OSM Bazali a koyamba moi namboka a dialogué Kaninda Betu n'engeto benga kaye affectueusement pour que toi mais un peu qu'on parle la situation de celui que les Canada République démocratique du Congo. Ngo mwana mboka mbote na yo mbote na bino nyoso ba ndeko Congo Live TV na sepela kamingi ya koya ko pesa makanisi nanga na esika ya bino na bo cadre toujours na felicita comme ça la kitoko ya liko salema avec un personnel qualifié et bien formé aussi, faut insister là-dessus. Yango wana na mayema so toyoki ndenge toali ko ba pesi biso déjà maito ko loba moko na lelo ensemble na bino nde tokoye ba ko énumérer ba question e ko za la poser a wa peto e bisa ba imboka qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays, le bord RDC na biso nde to loba kayango, la République démocratique du Congo. Monsieur Dieudonné Kaninda, la place publique est là. Information ni nommé les populations congolaises ni sous Badali Kolanda. Avant toi aborder ma sujet. Bien. Lelo na memi moi des biscuits na kozala un peu moulaï et moukousse na remembrant pendant moulaïté par rapport à ma cambozo le kakuna na regroupement politique AFDC. Il faut qu'on rappelle ba imboka été na ndeko na mama Abiso Adèle Kaïnda. Il faut qu'on rappelle ba imboka été ndeko bati tango koma ki na problème na Kabila. Abima kimboka pa bate bazaki na ba menace esala kete azali banda moko ko kutana na COVID. Mama Adèle Kaïnda nde azalaki na tête ya regroupement a memaki yango a organiser ba réunion, organiser ma ebele otomoni le regroupement e batela mi pe na forme na yango. To komona mokonza mboka beta ki sete ya ko déboulonner système dictatorial libanda FCC cash et koufi justice ya mboka na biso ezongisi regroupement politique AFDC na ba droit na ngonde ba ki ko reconnaître les commodestes bats du comme autorité statutaire et le seul et l'unique d'avoir le pouvoir d'engager cette regroupement politique. Après chute ya FCC cash, il y a eu ce qu'on appelle l'union sacrée. Dans l'union sacrée, botami secte qui est de combattre, nous ne pouvons pas aller parmi bateaux qui est babunda qui pour l'union sacrée les lots et botama. Na gouvernement Ilunkamba et le gouvernement Sama, hein? Kaka ndenge ba regroupement, ba parti politique, topé ba lingomba politique, et tinda ka ba komba, batinda ki ba kombo dans chaque poste aux qui proposé ministériel, batinda ki trois noms. Na portefeuille kuna mokonza mboka tali na trois noms batindaki dans son pouvoir discrétionnel o ezali yaye amona ki ete kopé sa chance na ndeko topé na mama na biso Adèle Kaïnda a matérialisé vision na ye na kati ya portefeuille na ministère wana ezali ko tala mingi ma etali ba entreprise publique abandi wana lingomba ya ye politique azalaki parmi ba au cadre FDCA etindaki ya bango batu na kati ya cabinet politique ndenge za kakaka mais ekomi kuna bande kwa na bauta kina lingomba politique FDC
Bali, toujours koluka. Kota bakoka jambe maman Adèle a reçu te na mandat na ye ba humiliation voire même de faire fouter les documents essentiels et importants il y a cabinet très sensible na ba place il y a libanda to na ba réseaux sociaux pour faire fouter en gros et te kokoma na moment oyo il y a ba problème il a fallu le gouvernement s'amadé mais avant d'aboutir à cela maman Adèle elle était victime de beaucoup de choses accusée faussement pas bateau à taquer qu'on a un cabinet na na maille et belé voire même coco c'est la macamona bas société voilà macamba communière bas côté là macamba socumi bas côté là partout tant où tokoti na gouvernement Samadé on a encore envoyé le nom les gens qui disaient que non on préparait déjà remise et reprise au Salema montre tel déjà batinda qui combo naie et au Sala était Zambé le quoi bundé la kabatu naie maman Adèle Kayinda. Elle était reconduite dans son poste. Elle a convoqué une réunion en appelant tous les membres de son cabinet. Bah oh, bah mon inquiète, Bazali, qu'ont témoigné fidélité dans leur autorité morale. Ils ont pu déposer leur lettre de signature et en bonne et due forme. Certains même ont remercié la dame pour sa sincérité, loyauté, naïe, détermination. Elle a dit que Salim Moussala qui t'a commis sur ce peuple, félicité qui est, baby maman. Grâce à Yonde, les lobbyso, to komi boye, to komi respectueux, respectable, na ba famille na biso. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un monsieur qui était chargé d'études là-bas, au sein de ce cabinet. Il s'est fait passer pour un donneur de leçons dans les différents médias de la place, vilipendé, madame la ministre. On ne savait pas c'était pour quel motif. Or, la vraie version des faits, quand nous avons mené nos investigations, le monsieur, je cite, Bazin, il était censeur Nakadeko, nommé par madame la ministre. Il devait effectuer une mission avec les DG. Et qu'on tombait dans un moment où il y a une démission à Salemi. Et maintenant, lui, il ne savait pas par où commencer. Comment koti ko banda a banda ki loko la neti ko sa songi songi nde balobakate ko kende ko to alobi ko kende ko to alobi babatela e mama Adèle moni ete ye ali li susute po ba pesa ye sika wana a kende na misho ba longoli e batie moto mosusu bokomona moto wana tamboni na betando nyoso vili pande la dame ali mosala nzamba lokuta Assemble la carte, talabo et nyonso, ils allaient comme on a, ils allaient. Je vais chiter par là, je vais chiter. Et bon, on a repéré ça, on a mis biscuit. Mais quand on a tamboli na bai tandonya sa moke, bai tandonya sa pour na koluka, quand cité comme ya madame Adèle na maïtali ya lokuta, asuki suswa na te akei kolobatali mosali nzamba lokuta nya sotwana po na mission ratée o balongola giye bataki moto mosusu mission est $5,000 tout ça c'est dit à quoi le monsieur était chargé d'études na cabinet kuna à chaque fois il faisait des notes techniques il n'arrivait pas je peux dire ainsi de faire des notes techniques à chaque fois il faisait des notes techniques il fallait ba corriger ka yango pa ya bato maman Adèle a bien dit attaque maman na motema mbola moya ye Abiete, ou allez l'engue, il faut pas que ça soit là, ce que nous la recyclage, ou que la cour y a l'encre comme ça. Tinde Kouana a keyi bongo, a monté bongo créneau, a temboki, allez, a bandi kosambi sa maman partout, kosite kombo ya maman, habitando nyon sa zo kende, nyon so toane a linini, je sais pas si elle a li chômage ou a tikali nangonde tika e bongo, ba ningo, ba lagi neguna na cabinet, les conseillers, certains conseillers, Batini bangona transport, certains conseillers basés na province sociale, monsieur Soubakei na vice-ministère ya santé et yé ali nulle part. Voilà pourquoi il déambule dans les différents plateaux de la place pour vilipender madame Adèle Kayinda na mai oyo ezali ezanga mutu na makolo. Monite ke na kati awa avant to juste na 30 secondes. Monite ke na kati ya makambu nyoso oyo ezali pe mutu mutu ezali ko sala ete AFDC na UDP le lo bakota na guerre to ezali ko sala pas. Bande ko AFDC na UDP so bakoti na guerre réalité ndeko bati n'est pas sincère. Bati doit être sincère envers le chef de l'État. Bati est en train de combattre le chef de l'État d'une manière indirectement. Tala et bien na est to za ba problème mingi kuna. Toluka kimia, tozoluka batwana bazana kimia et déranger biso, mais bati va créer la crise d'abord avec Théo Mbabidje. En instrumentalisant les députés provinciaux.
pour chercher la tête de Ngwabidje. La cour a rétabli Ngwabidje dans ses droits et bâti, lui, comme il veut toujours la tête de Ngwabidje, il veut créer une crise là-bas. Tozongi bâti a tenté d'avoir le contrôle de la cour constitutionnelle. Bâti, il fait bénéficier de son beau-fils, à l'espace de 3 mois, 2 ordonnances. Mais tous ces bazar qui fait des bruits pour lui, qui se poumonne dans les plateaux, les cas, Kota Mabe, il n'est pas-il compétent pour assumer une fonction? Bâtine de Pia Yekombo. Voilà. Nabandi était maître Bazin Pembalo, Azala qui a l'objet été Bati Alite Mingi, alors Bagozala on a été pour Batika, IDPS a avancé, alors que Ezali et Sika Oyo, Oyo Azali na force, il a redominé, mais le président Abamono Seli Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Ezali a une question, Oyo Tolomé. Ezali, est-ce que ma partie Bayer Katianini Bayer qui a étouffé IDPS? Même Natanganika. Oui, mais ils ont ça les Makuna. Je crois bien cette assemblée provinciale et suspendue. Les lois, yo, président, gouverneur, il y a UDPS, Azali destitué par le président et puis dans l'assemblée provinciale. L'assemblée provinciale. Azali, membre, il y a pourquoi M. Bahati veut toujours chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème? Bahati a un problème avec ses cofondateurs. Bahati a un problème avec ses alliés. Au sein de l'Union, ça crée toujours des problèmes. Mais pourquoi? Voilà, mais pourquoi on va essayer de revenir pour mettre sous Imasolo na émission d'Ali Koya pour que tout mec un peu qu'on éclaircir et ben amboka loko la mes studies de Nkandina auto benga betu Azali Bongo ko mec un peu ko parler biso na situation ya crise ou Azali Bongo na kati ya FDC na UDPS to ko ben on parle maintenant de la situation sécuritaire ya est ya mboka na biso nationaliste ya Paul Kagame Azali président ya Rwanda auti ko été bah continuer toujours opération na ye pour qu'à récupérer Mabele Oyo ya zali ko réclamer na République démocratique du Congo alors que tomoni na 1884 Rwanda zali ko exister te mais RDC zali ko exister lelo Oyo Paul Kagame akangami pour qu'à récupérer ba parti on a récupéré ngone nini aussi longtemps ye azala ko exister te avant que RDC déjà existait. Est-ce que ezali ambroglion te na kati ya mitu ya ba Congolais to na parti est la conférence de Berlin les bakataki biten ya ikolo eloko babengi Rwanda n'existait pas. En principe, le Rwanda ne nous combat pas. C'est la communauté internationale derrière le Rwanda pour nous attaquer, pour piller nos ressources. Le Rwanda n'a rien à voir. Rwanda a coté le matin à Bétanana FRDC. Le coin de la sénatrice Francine Mouyumba a dit qu'il y a un état de siège, il faut pas lever en moi, il faut pas le mais état de siège est aidé, il y a une infiltration dans quatre armées congolaises. M23 n'a jamais gagné une bataille face à FRDC. Et puis, il y a gagné une bataille dans la FRDC. Les M23, des histoires, c'est cela. Que Rwanda, Abike Ifa Bunda, a récupéré partie de la terre, au Bissot Tozoa. Eli Maya Lokuta, au Kagame Ali Koloba. Les Congos de Lumumba, les Congos de Tshisekedi, ne sera jamais divisé. Si le Rwanda pense ou estime que partout on a lié à Baba Koboto, les Angos, pas aussi. Mais ma déclaration, non, ça veut dire que ça, les Angos ont approuvé. Il a été recadré par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à qui je salue. Il a été recadré. Mais Christophe Lutundu là, a lobbyé que RDC a saisir justice internationale. Mais tu sais comment on a été communauté internationale en mode tissicoyo. Mais ça peut sanctionner Rwanda malgré ma gamine. Ça dit que ça. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il a fallu être des sièges. Très bien, qui est qui? Infiltration et où tu as? Brassage, mixage. Infiltration et où tu as? N'a pas accord, on va encore signer. M23 na mboko ba kotati na ville ya Goma. Bazo faire quoi biso ke bango ba 6M23. Avec des accords, négociations. O babi ba soda na bango ba changer territoire te bazala kakawana.
Mais c'est ce qui nous a abouti à l'infiltration. Nous avons dit que 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 ceux qui font pas ma vie, sont prêts à combattre le Congo, nous sommes prêts. Aussi longtemps à Kinshasa, ma gamine, c'est l'île que les est et en Bogan abissent, mais à Kinshasa, tu as l'île vivre net, c'est l'eau des alités. À Kinshasa, bah, opposant, ça, la bango marche pour la vie chère. Bah, vieux, et coup, faut qu'on les achète, la vie humaine est sacrée. Bah, propos, il y a Kagame, aucun opposant à regarder. Au Congo, bah, donner des leçons, habiter dans Bogan abissent, tout ça, continue à bah, faire, maïe les silas. Soit à Bimina, faire, maïe les côtes. Mais il a été aux affaires pendant plus de 4 ans premier ministre. Mais il a déclaré que seul le président Kabila est légitime. Légitime, hein? Et il appelle toujours président Kabila. Oh, mais il doit, payer, il doit toujours appeler celui qui l'a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il l'a façonné politiquement. Hmm? Mais tout ça, oh, tout ça, tu as dit que... Oh, l'on dit que je suis un peu je suis un peu plus grand, je au combien touchable parce qu'on a lu l'opposition. Ma tante en pomme nous a déclaré vie chère. Dans ce pays, dans cette ville à Kinshasa, en 2000, je crois, lors des sommets à francophonie, c'est un magin à Nénine. Sommet à francophonie, je crois, 2012 ou 13, si j'ai une bonne mémoire. Ma tante en pomme n'a pas dit que maman n'a pas dit que Zara Oteka, n'a pas bien voté. Sous ordre primature. Boukangalonzo, Congolais, n'a rien à faire à ma sangounan. Soba Libalo, parce qu'il est de l'opposition. Moïse Katumbi, de 50 000 par bi, depuis qu'on a gouverné, on a tiré combien de fois? Et tous ces gens, au Balandier, Babiman, au gouvernement, ce sont des impopulaires, Ndatsikalina Bang. Les députés, Babien, on a repêché à court. Après validation, invalidation, réinvalidation, réinvalidation. Un monsieur comme Daniel Sauf est allé passer la nuit là-bas. Pour m'appeler, c'est un mandat. Mandat langaï. Mandat langaï. Chéribé Okende, si aujourd'hui il est appelé député national, il doit dire merci à Élisée Entamboué. Comment ça? Soir à Fadi, il va falloir merci à Élisée Entamboué. Chéribé Okende. Donc, ce sont les députés mal élus de Balandi Katumbi, impopulaires. Pour sur l'élection, ils ont le chériba, ils ont le messieurs ici. Daniel Tsaf, il ne va plus rentrer. Franck Diong, comme un garçon de course, il y a Katumbi. Franck Diong, au combat, nous sommes dans le monde. Le combat de la démocratie que vous avez combattu. Parce que les lots. Abandi Kobunda depuis Mobutu. Abandi depuis Kabila. Non, la patience. A négligé Franck Diongo les lots. Hein? Franck Diongo a zangi patience. Patience aussi longtemps. Et aujourd'hui. 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 C'est ça qui a commis qu'on fasse dans notre cercle la décision qui Franck Diong. Or, c'est ça qu'on connaît sa position, monsieur le bon comté. Un caméléon, il change du jour au lendemain. Hein? Non, soyons sérieux. Tout à l'heure, la position M23, ils allaient toujours se renforcer. Tout le monde a trois hélicoptères et côté qui ont renforcé M23 dans la munition. Et le VPM Jean-Pierre Bemba a déploré. Alors, les autres, tout à l'heure, comment on a été retour en force à M23 et coquille, comme ça, a été Goma et quoi, été mon amour. Non, Goma ne tombera jamais. Goma ne tombera jamais. Malgré leur plan plan à bangwa ba ya ba dongolomis pour namboka ba koma na goma te to kotika ya bango te ba M23 sala loi
on ne le sera pas. Aussi longtemps que M23 a dit qu'on renforçait ma position. Mais que fait l'EAC en ce net moment? Tu as dit comment on a été. L'EAC ne travaille plus depuis déclaration. Il y a force, il y a SADC. Mais l'EAC ne bouge plus. C'est comme s'il y a un complot. Eux, ils allaient déjà qu'on s'allait mal interne. Est-ce que nous, ils allaient qu'on s'allait partir? Est-ce que nous avons qui m'y a tout espéré? Parce que tu as dit bateau nous avons tout autour. On va aller comploter pour la balkanisation à partir est un bon cannabis ou moins bon. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Et est-ce que les lois d'aller au salaire l'eau voté dans la partie est un bon cannabis ou? Et est-ce que oui, je suis d'avis. Parce que l'affaire de ces bagues au Bundaming, au moins les lois grâce à l'état de siège, tout le monde a été. Bitumbeza bunda matanga na Rwanda. Tsumwa na kebaye ba Rwanda ba kokufa. De coup de chapeau na ba militaire na biso bali na front. Nous sommes de cœur avec vous. Continuez toujours à combattre l'ennemi. Kolembate. Continuez toujours à combattre l'ennemi Kolembate. Lelo yo olobaki yango VPM ya affaires étrangères alobi par rapport à ba propos expansionniste ya Paul Kagame wa alobi ete a continuer toujours na lite na pour récupérer mabele o ezali na kati ya RDC aussi longtemps que Rwanda n'avait pas existé et la RDC existait avant le Rwanda mais comment Rwanda azo exiger mabele na kati ya pays où exista avant hier bon et alors VPM ya affaires étrangères Christophe Lutundo alobi que a ko saisir la RDC va saisir la justice internationale alors que Lelo Oyo tout le monde qui a venu à président français Emmanuel Macron a lobby été a pesa qui date Oyo ce qui c'est le fait salamité Rwanda vous avez sanction mais jusqu'à présent ça fait déjà ce qui 2 mois en Oyo à ta sanction mon corps Rwanda zoate à ta sanction mon corps rebelle à M23 zoate mais bazo continue toujours attaque na bango est-ce que tu as espéré toujours la communauté internationale mon amour. Complicité à la communauté internationale et mon ami à la face du monde entier. Comment ces gens-là sont complices avec les rebelles? Comment ces gens-là sont complices avec Saya, Bato Bazo détruire Mboka, Bato Bazo Boma, Bato Bazo Dongolo Misu? Et les locaux, ok, photo Lukaya, moto ça, c'est Kimia. Kimia est fan d'Apenda Libela, na Libela. Mais avec Félix Tshisekedi, tout le monde est détermination à Zanango. Kimia m'a dit est un bon cannabis et cocotte. Voilà, Kimia au côté de la partie est un bon cannabis et Zali espérance à Congolais Nyonso parce que tout le monde est biso et Zali Congolais de père et de mère, Congolais à Makila, mon cannabis au côté à 1 cm et Kendete parce que Yango Karatozanango, Congo Moko, c'est pays Moko, Zali Nango, Congolais Nyonso, c'est ce aux amis, situation où il y a est et Zali qui préoccupé biso Nyonso alors Zali qui au Banza et Kimia et Zonga parce que déjà d'ici le 15 au 20 juin il y a année où tous allés force y a sadé que zali ko quitter la partie est un bon cannabis force y a EAC bazali ko se retirer lelo oyo tuali ko senga na président de la république était force y a EAC de part na bango bakende pour que est un bon cannabis to évoluer to link ozonga sous simaté alors moi namboka lelo oyo to landa ki briefing et sikawapi le VPM ya économie a étalé situation économique ya mboka alobi par rapport ya situation économique to kosala yango en résumé moi namboka avec VPM Vital Kamerhe alobi boye descente y a équipe gouvernementale en Afrique qui est récurrente depuis des années nécessitait une réponse drastique et à la fois sur le court et long terme. Deuxième alobi était et l'équipe gouvernementale est donc allée chercher des solutions immédiates en plus des mesures qui visent à développer la production locale et à viser même l'exportation. Lelo oyo toli ko mona ete e mona mboka Vital Kamerhe alobi ete akolo na masangu e ko bima mais sengeli ba broyé yango e ka ou ka ba broyé yango asali dele moko ya 5 mois pona na kolona na masangu e bima
naba broyé et comme ma farine a été bilan en 5 mois. Aussi longtemps tu as que dans 5 mois, nous allons faire mandat il y a Liboso, il y a président de la République, donc fin mandat il y a gouvernement Mobimba. Est-ce que nous sommes l'objet que vous allez réaliser dans le cannabis? Bien mon rebattamaï le bolobara gouverner c'est prévoir. Il y a la continuité de l'État. Nous saluons les efforts du gouvernement et surtout bah, plus particulièrement VPM économie Vital Kamerhe, un spécialiste dans les un économiste chevronnier na place au Pesengi yaye au Fanduana. Tout le monde détermination au gouvernement zanango. Tout le monde même défiscalisation au gouvernement ça na bande connaissance ba kosomba masango ba ya nango ofele ba kofuta taxe à ta mon côté. Ça, ce sont des choses à encourager. Tout le monde est venu à rendre compte dans la nation pour qu'il y ait ma sangou. Ndenge nini à Ibisibiso dans 5 mois, l'État ma sangou balona, babouka, babroyé pour la population. Et il y a ma sangou. Il y a qui tout le monde en santé, malam. C'est le social. Où tout ça qui est causé là? C'est le social. Autobunda qui est fanda. C'est ça, même au gouvernement, autozaki n'a pas ça gouvernement, il y a peuple d'abord. On paie tout sans le peuple d'abord. Il y a moi, tout le monde, il y a des gens qui sont en Zambie, il y a un gouvernement qui est en Zambie, en Afrique du Sud, pour qu'il y ait un Bamasangu, pour qu'il y ait un Bolesa, Bana Mboka. Voilà, Bamasangu, Oyo, Lelo, Oyo, jusqu'à présent, Bana Mboka, Bazali Kolelana, Okatanga, qui est solution. Ils allaient nous retarder. Est-ce que jusqu'à quand Bana Mboka va espérer qu'il y ait Masangu Malam? C'est pour bientôt. Bana Mboka, nous aurons vraiment sûr et certain que tu y a Masangu normal. Ah, et Total, sous le deuxième propos, Vital Kamerhe a lobby été. A sali déjà un mois depuis à côté na kati ya gouvernement a lobi na un mois na ye dollar et toi ya échange ezali stabilisé aussi longtemps que mona ye était toi dollar ko kota na ye dala ki 22500 lelo ekomi 23000 mona mboka. Est-ce que ba politicien ya mboka na biso ba na volonté ya ko aider mboka? La stabilité à taux d'échange ezali te ke ndeko Vital Kamerhe explique biso elle est palpable. C'est la Banque centrale qui conduit la politique monétaire de la nation. Et c'est à la Banque centrale qui fixe les taux. Il ne faut pas suivre les cambistes en bilan. Où il y a un il change selon son numéro. À Matisito, il y a dollars. À la Moukina, il y a ah, les dollars ont changé à 10. Le bilan ont changé à 20. Le bilan a boy. Mais les taux officiels de la Banque centrale, ils ont maintenu. Nandenge ba gouvernement e bandaki tisiko ba réussi ko maintenir ango, il faut féliciter le gouvernement ya Sama Lokonde de na musala kitoko ba liko sala. Mais lelo to moni ete hier déclaration opposition et c'est opposition asengi na BAD, asengi na Banque Mondiale, asengi na ba banque union sous coopérative bazali lokola ba partenaire ya République démocratique du Congo ke ba stopper ba ko fournir RDC na misolo ba sala na no audit sur union so et salami na kati ya RDC na biso lelo oyo est-ce que opposition azali na raison to azali na raison te mona mboka? L'opposition actuellement c'est une distraction na Congo. Actuellement l'opposition c'est une distraction ba sengi na marche le 13 même si bango le 18 ba landi biso sur le 20. Vous avez dit que le 20, bande quoi vision fachi, ne va pas marcher. Mais bande quoi vision fachi, vous avez dit qu'il prévu de marcher le 13. Non, le gouverneur avait annulé toutes les activités. Ils allaient quand il marche, il y a bangote. Annulé qui n'est pas. Il y a des gens qui ont marché, tout marché, Mikolez Aligoya, le 20. Bango va proposer qui bango le 18. Va respecter. Mon continent est qui bango ba ça marche le 18. Mais le 18 wana moni ete ezali ko handicapé parce que le 18 ezali bongo o tozali ko benga journée ouvrable o batons wazali ko kené misala. Ce qui est lelo opposition à marché na journée ouvrable moi te ko déranger que misala ya bato. Lelo ba marche soukara na lelo opposition comme pour na jour ya au marché. Nous on a marché dans ce pays même le lundi.
Le 19 janvier 2015, c'est fini un lundi. Oh, papa, qui est en loba, on a l'ingala, tu paralyses la ville pendant une semaine à l'époque où nous étions à l'opposition. Hmm? Toutes les marches que l'opposition s'est en loup, un jour férié. Mais l'opposition était date, hein? Samedi, samedi le 20. Samedi, on a donné à ma coquille à pour marcher. Gouverneur de la ville, M. Saki Bamoba marchait le 18. Pour Bissoto marcher le 20. Ndeko lisanga bonganga na baninga mususu ba Michel Mangala oya bango marche komi le 27. Biso ba kolo mobundu marche ya biso, je serai moi-même personnellement sur terrain le 20. Le 20 le oyo tolo ba le 20 mai. Le 20 mai tout à fait. Le tozali koloba. Tozali comment on a été. Est-ce que le loco yo bandeko ya ya force du progrès bazali ko tsampe mboka na insécurité te parce que partout tozali ko mona soki yo mo ali kambo salami force du progrès soki mo désordre o di mi force du progrès est-ce que pour force du progrès et moi ma chuchu moi ma chuchu tamba kanga ma keza ki force du progrès ma rambele kana maluku c'est la force du progrès non faut respecter bilenge wana parmi et il y a de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour cette alternance. Ils ont été victimes des enlèvements, des arrestations. Certains même parmi eux, ils ont perdu la vie. Mais il y a un peu de temps. Non, il y a un gardien de pouvoir, la place publique. La force du progrès, tout le monde a battu. Ce sont des gens tellement non-violents. Comment la violence est provoquée? Bango, wana c'est averti à la légitime défense. Si on a battu, on a battu un bon matin. Bango baba te la pouvoir na bango. Fachi ou rien. Ceux qui ont travaillé contre Fachi, non, moi na bango na nzela na yo. Donc il faut éclairer l'opinion quant à ce que bandeko wana bali batama bo mate bali bilenge au parmi bango ba sacrifier ba vie na bango pour na peut-être alternance auto zoyango. Donc il mérite beaucoup de respect à ba congolais. Voilà, Tozali toujours continue parce que Tozali ko beta ma solo ya mboka. Quand on dit ma to vanda to solo la to tia bino bino nos balandi o Tozali ko zo ali bako ya kolanda biso au parfait ya information Tozali pour que to meka un peu ko tia nyon so Tozali ko leka na na ville province ezala ya capitale awa Kinshasa ezala na Congo mobimba pour que lelo o situation no Tozali ko leka na mboka na biso Tozali situation o Tozali ko préoccuper ba congolais nyon so pour que bazala au parfait ya information. Moi na mboka lelo oyo to moni ete élection na mboka na biso est-ce que ezali to bosani yango to élection ezali na décembre awa. Il y aura des élections dans ce pays. Les élections vont bel et bien lieu. Donc les élections auront bel et bien lieu. Baza ki dibate. Batika ba distraction. Voilà, bah tira ma distraction aussi longtemps que lelo oyo seni et lelo oyo seni na kati ya makamunos bazali ko sala le tomoni rencontre ya SSC na 5 balobi ete seni abimisi statistique ya ba enrôler na ba heure nyos opérationnel te est-ce que dali ko bangisa te parce que na mboka na biso élection te mama be e komi trop la seni anga sala a nettoyer fichier. Il a enrôlé autant d'enrôlés dans chaque circonscription en attendant l'Assemblée nationale d'appeler sa loi sur la répartition des sièges. Mais tout le monde, les opposants sont tellement distraits. Quand l'opposition, quand la majorité ou l'Union sacrée aura raflé la majorité au Parlement, ce sont les mêmes personnes qui ont gagné une corruption, tricherie. Tati ka mutema mabe. Mutema mabe nde sala batu ki baba nde ko vilipande ba kombo batu na ba réseaux sociaux. Ce n'est pas ça l'opposition. C'est comme avec madame la vice-ministre Aminata Namasia. C'est une dame qui mérite le respect. Hein? Toutes ces histoires là ba lo ba. C'est une dame, elle est ministre de l'éducation. Enseignement. Ministre éducation azali collé na situation mo ezali. Non, on doit imposer les gens de respecter sa vie privée. Elle a une vie privée. En dehors des fonctions qu'elle assume, respectons sa vie privée. C'est une histoire sale
que le détracteur va dire mais on a place publique. En citant même les gens de certaines autorités, il y a pays, oh, parmi Bango, ce sont des pères de famille. L'honorable Gaël Boussa, c'est un père de famille, un marié, officiellement, légalement, devant l'État, devant Dieu. Oh, bah, joint Seigneur Solog, Bazoulukaba monter une histoire, monter de toutes ces pièces pour salir ces deux personnalités. Ce sont des jeunes comme vous et moi, oui, mais ils méritent le respect. Voilà, il mérite, voilà, il y a une question, il y a quand même côté na toile, mais il y a qu'on bouge la toile, mais pour rassurer à toute la population aussi congolaise par rapport à la situation, c'est là que les Ganambo Kanabiso, les Oyo. Malembe, tu as comment on a fait un mandat. Malembe, les tu as peut-être dans 5 mois, déjà tu as comment on a fait un mandat. Est-ce que les Oyo, population congolaise, peut se dire que le bilan du chef de l'État est positif dans la République, dans le mandat de Liboso et Yassali. Toko Lukambala Simana Kosonga, on a sa l'émission bilan. Bilan Tata Mugunzekolo, depuis Abanda qui n'a pouvoir, Tilelo, je peux vous assurer que le bilan est tellement positif. Même s'il y a beaucoup à faire, parce que même le président français ou Sarkozy à l'époque, à l'obac, on ne peut pas développer un pays dans 5 ans. Mais le président Félix a des signaux qui prouve qu'il y a des avancées, il y a un changement presque dans tous les domaines. Presque dans tous les domaines où les Congolais vont se sentir en côté dans la vie sociale. Le social, c'est aussi une justice équitable. Nous avons milité pour une instauration d'un état de droit. Et l'état de droit est là. L'état de droit nous place tous au-dessus, au même pied d'égalité devant la loi. L'état de droit n'a pas des hommes forts. L'état de droit a des institutions fortes. Ça, il faut qu'on se le dise. Respectons quand même les avancées d'un état de droit. Respectons les avancées de l'état de droit. Mais tu as dit qu'on parlait sur la situation, il y a social, il y a je vous ai dit, le social, la justice équitable. Mais tant le gouvernement va que pour n'avoir pas de problème à ma sangle. Tant que exonéré, tu peux défiscaliser. Parce que nous avons importé ma sangle, nous avons fait un tas de méaté quand on a fait ça l'État. C'est ça le social. Le social, vous voulez, c'est quoi? Que si on a fait un peu de temps, la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas, c'est le social? Éducation est bonne. Moi, je suis là. Je suis là pour me foutre, pour me faire passer le local, pour me faire uniforme, pour me faire un souci à l'université. C'est aussi ça le social. C'est ça aussi le social. C'est ça aussi le social, mais les gens qui sont là, ils sont là. Est-ce que dans le cannabis, en 2023, il y aura des élections crédibles? Ah, tu as posé la question s'il y aura des élections. Nous avons assuré qu'il y aura des élections. On va aussi sous crédible. Il y aura des élections transparentes, crédibles, apaisées. Transparentes, tout comme déjà, tout comme presque dans le mois de juin. Mois de juin, où ils allaient quitter, mais ils allaient bongo mois où il y a des dépôts à candidature. Mais jusque-là, répartition à siège. Jusque là, audit, il y a fiché électoral. Et Salamina Nouté, est-ce que tu peux espérer vraiment élection en décembre? Les lots, tout ça. Les bidates, tout ça. Tout ça, le 16 mai. Merci. Tout ça, le 16 mai. Mais attendons voir. Tu comme il est à mi-mai. Attendons voir. Nous avons un gouvernement responsable et un parlement qui travaille vraiment pour trouver la solution quant à plusieurs problèmes de la population. Voilà, quant à plusieurs problèmes de la population, les lots Oyo, tous allés comme on a été, bah ça on les allés qu'au pèsabiso, les lots Oyo, Félix Antoine Tshisekedi Azali, à Outaki Bongo, na Ngambo et pas à président Sassou na Oyo, les lots Azali na sommet à Siergel na Luanda.
Est-ce que bato ba kondi o union souba o bazali tout autour la République démocratique du Congo bazali ba très trop bazali ba vrai ami à République démocratique du Congo parce que ce totali malamu lelo oyo le président Lorenzo o bazali ko signer bongo médiation entre Rwanda na République démocratique du Congo pour na départ to cesser les faits à ba M23 mais le président Lorenzo lelo oyo a se tourné a tourné na ye le dos na République démocratique du Congo. Tarega Tarega oyo biso to bengana ki awa na République démocratique du Congo azali bongo ko s'installer na Luanda pe ko installer ambassade bomimba ya Rwanda na Angola lelo to koloba Lorenzo azali ko jouer double jeu étant que traître étant que ami est-ce que lelo to azali ko pe ko mona ba déclaration ya William Ruto azali déclaration na ye Ndayishimiye azali pe déclaration na ye alors to azali ko on a été RDC ali entouré na ba traître ali pe entouré na ba ami o bazali ko jouer deux faces est-ce que RDC ko ko conté na nani na for na bande ko na union so bazali ko entouré nous devons privilégier l'intérêt suprême de la République de notre territoire national et en vertu en politique à bon voisinage on doit toujours chercher à être à bon terme avec nos voisins pour sûr il y a une Kinshasa l'Angola. C'est une ligne au Congo, par exemple. C'est l'Angola, c'est le Congo Brazza, c'est Ouganda, Burundi, Rwanda, des Baroyamba, des milliers de gens. Donc nous avons intérêt d'être en bon terme avec nos 9 voisins qui nous entourent. Voilà, on a l'intérêt d'être en bon voisinage avec Bandekono Swazali Koyamba. Biso tali ko déplorer en tout cas position à M23, position à M23 ezali renforcée. Ezali pe quand même peu to koloba yango clair que na ba congolais mususu bazali pe ko pesa bango maboko pour que bazwaka toujours force. Alors tali ko senga na FRDC, tali ko senga na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Tombolo. Kota la situation o ezali ba position o ya M23 ezali cause à la renforcer du jour au jour ezali pour que bah ça la retour en force na partie est et mboka na biso alors biso te ko permettre yango te yango to bani déjà ko décrier yango to li ko décrier yango déjà lelo parce que ce qui était ba position na bango wana ezali renforcer en 100% to ko mona isusu M23 nga rozonga isusu en force ayi ko attaquer le isusu alors que aussi longtemps to li causer la force ya SADC et rejoindre partie est aussi longtemps mona mboka Jean-Pierre ben bazali na Indonésie pour aller négocier ba corps militaire aussi longtemps tu dis que luka quand même tu renforcer sécurité na biso ba ndeko na biso pe ba congolais ba ndeko pe bazali na Rwanda bazali ko renforcer ba force ya M23 tu dis que décrier lelo alors mon mboka Dieu donné kaninda betu matondo mingi na ndenge ozwili ba kuya ko ya na kati émission lelo na bandi été ezali toujours ya soukate parce que la porte est allée grandement ouverte. Non je suis là et je serai là à tout moment vous aurez besoin de moi. Je n'hésiterai pas de passer, d'analyser, de donner un point de vue par rapport à la situation de la République. Voilà, alors caméra yango ezali bande konoso balandi na mokolo mwalelo, message nini ezali oyo ko pesa bango na mokolo mwalelo. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Congo. Restons congolais. Voilà, restons congolais, je n'ai pas dit que c'était l'Union sur la Congolaise Télévision, cause souveraineté nationale, intégrité territoriale, ezali bitumba oyo, bisoba na mboka esengeli to bunda, to konté na ba étranger te, to konté na ba force oyo ezali ko uta libanda te, kasi to konté na biso moko bana ya mboka, na bandi ete, to komi na biso na suka bongo, botika la malamu na mabote na bino. We'll be right back.